Ça va, Ali? J'ai entendu un grand bruit sourd. Oh. Mais qu'est-ce que tu fais par terre? J'ai dû tomber de mon lit. Oh. Oh, je me souviens, quand tu avais 4 ans, ça t'arrivait souvent. Je parie qu'à 4 ans, je ne faisais pas de rêve sur les combats médiévaux. Moi, si. Ah, oh, ça, c'est surprenant. Oh, tant que tu es debout, tu ne veux pas en profiter pour tout déballer? Si. Ah. Lycée d'Avalon High, guide de lycéen. Sélection pour l'équipe d'athlétisme, ça sert à rien, rien du tout. Tu as tout déballé, ma chérie? Oui, presque. Bien. Je vois que le roi Arthur et ses joyeux compagnons ont à nouveau pris le contrôle de la maison. C'était Robin des Bois qui avait des joyeux compagnons. Arthur avait les chevaliers de la table ronde. Tu le sais, non? Oui, je le sais. Comment ne pas le savoir alors que c'est votre seul sujet de conversation? Oh, on est professeur de littérature médiévale, Ali, c'est notre travail. Je sais, mais tous les deux vous parlez tellement d'Arthur que maintenant, je rêve de lui. Et pas comme la plupart des filles qui rêvent de chevaliers en armure. Non, les miens ont de la poussière partout. Et ils ont besoin de déodorant. Et il leur manque la moitié de leurs dents. Tu es proche de la réalité. À l'époque de notre pieux Arthur, l'hygiène dentaire... Arrête, papa. Ah, pardon, pardon. Oh. Tiens. Merci. Je me demande pourquoi on déballe tout alors que dans 6 mois, on aura redéménagé. Oh, je trouve ça très bien. C'est vrai, comme vous le dites souvent, qu'il voudrait vivre au même endroit toute sa vie. Quoi? Eh bien, en fait, cette fois, on n'a pas prévu de rester 6 mois. Quoi? 1 mois? 2 mois? J'ai plus qu'à changer de prénom et me faire appeler la nouvelle. On va rester 3 ans. Quoi? On va rester ici pendant 3 ans. Cette région est... spécial. On nous a proposé 3 ans de contrat à l'université. On va s'installer? Oui, on sait que 3 ans, c'est une très longue période. Attendez, je vais être à Avalon High jusqu'à la fin du lycée. Oui. Ça signifie que je peux être sélectionnée en athlétisme et finir cette année en ayant le temps de me faire des amis? Oui. Oui! Ah, oui, 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 oui! Le café, le café! Ah, désolée! Ah. Merci, merci, merci! Où est-ce que tu vas? Après toi? Merci. Je peux? Oui. Je dois... Au revoir. Bizarre. Tu es nerveuse? Maman, c'est mon 1000e premier jour d'école. Je sais. Alors tu es nerveuse? Bien sûr que je suis nerveuse. Tout va bien se passer comme toujours. Oh. Je passerai de prendre à 15h. Oh, ce serait mieux vers 17h, je passe les sélections, tu te souviens? Au revoir, maman. Au revoir, chérie. Marco, pourquoi tu ne me voles pas l'argent, demandais-je, comme les autres brutes de ce bahut? C'est mon casier, t'en as pas un? Cher Miles, puisque tu le demandes, le mien est trop loin de la classe. Tu ne vas jamais en classe. Donne-moi la combinaison. 1, 2, 3, 4, 5. Donne-la moi ou je t'enferme dans le casier. Waouh, un fou enfermé comme c'est original. Faut que t'arrêtes de regarder de mauvais polar. Ça suffit, Marco. Non, c'est le grand Will Wagner qui vole à ton secours, mon héros. Tu vas faire quoi, Will? Me frapper? Je m'abaisserai pas à ça. Allez, disparais avant que je t'envoie chez le proviseur. D'accord.
pas te protéger 24 heures sur 24. Oh, waouh! Tu sais qu'une journée dure 24 heures et moi qui te prenais pour un ignorant? Merci. Oui, là, j'étais sur le point d'en arriver aux mains avec lui, mais finalement, c'est mieux que tu t'en charges toi-même, étant donné que c'est ton frère. Demi-frère. Hé! C'est où? Je crois que c'est là. Hé! Hey, la fille de la fontaine! Oui, c'est moi. Salut. Salut. Je savais pas que t'étais à Avalon High. Oui, je savais pas que t'étais là non plus. En réalité, je connais aucun élève ici. Je suis nouvelle. Enfin, mon prénom, c'est pas nouvelle, c'est Ali. Ah! Et moi, Will. Oh. Voilà, tu connais au moins une personne. Oui, je peux être la reine du bal en fin d'année. Et sinon, tu fais de l'athlétisme? Comme je t'ai vu courir dans le parc, peut-être que tu aimes courir. Moi, j'adore courir. Wow, je crois que j'ai dit courir au moins 3 fois de suite. Football, en fait, je joue au poste de quarterback. Bien sûr que oui. Je veux dire, je vois bien que t'es quarterback. Ça va, mon ange? Hey. Hey, on y va, je vais être sûre d'être assise à côté de toi en histoire. Salut. Oh, Jen, voici Ali, elle est nouvelle. Ali, voici ma petite amie Jen. Oh, enchantée de te connaître. Oui, moi aussi. Tu vois, ton capital d'amis a déjà doublé. Hé, t'es de rouge à lèvres. Jen, vous étiez où ce matin? T'as pas eu mon message? 5 burgers pour 5 dollars. Ali, ce broyeur d'ordures humain est mon meilleur ami Lance. Lance, Ali. Salut. Salut. Il t'a présenté Jen? Jen est la fille la plus cool du lycée. Ouais, ça c'est sûr. Merci, les garçons. Oh, quoi déjà? Bon, ton premier cours, c'est quoi? Je commence par histoire avec Monsieur Moore. Oh, histoire comme nous? T'as qu'à nous suivre. Ah, oui. D'abord, je vais juste... une seconde. Bonjour tout le monde, prenez place et sortez vos livres. William, à ce qui paraît, vous allez conduire l'équipe de football en finale pour la première fois cette année? Ouais. C'est ce qu'on projette, monsieur. Ça me plaît. Bien, délégué de classe, roi du bal de fin d'année, premier au concours général, et il est poli. Si seulement j'avais une classe entière remplie de Will Wagner... Je crois que je vais vomir. Qu'est-ce que tu regardes? Tenez, mademoiselle. Excusez-moi, vous avez un problème, mademoiselle? Pennington. Ali Pennington. Ah, d'accord, ça explique tout. S'il vous plaît, veuillez réserver un accueil chaleureux à notre nouvelle élève, Ali Pennington. Salut. Vous considérez ça comme un triomphe? Oui. Bien, ça rend de mademoiselle Pennington son professeur de littérature médiévale à l'université, et ils sont également les auteurs de l'ouvrage que nous utiliserons ce trimestre pour tout savoir à propos du roi Arthur et de sa cour. C'est le rassuré. On vous a pas sonné. Salut, moi c'est Ali. Non, détourne le regard. Excuse-moi. Tu fais une erreur tactique monumentale en faisant ça, tu vois. En m'asseyant à cette place? En parlant avec moi. T'avais bien commencé, faut pas tout gâcher. Je t'ai vu discuter avec le capitaine de l'équipe ce matin. T'as une chance de faire partie du groupe des populaires. Ne gâche pas tout. Je peux être amie avec qui j'ai envie, toi y compris. Qui a dit que je voulais être ton amie? Toi? Non, pas du tout. Alors pourquoi tu continues à me parler? C'est pas vrai. Mais en disant que c'est faux, tu m'adresses la parole, non? Échec et mat. Alors... En premier lieu, nous allons procéder à la constitution des équipes qui feront les exposés. Vous choisirez les thèmes en piochant là-dedans. Courtney, vous êtes avec Todd. L'architecture de Camelot. Intéressant. Will, vous êtes avec Karen. Je peux pas être avec Jen? Non, Jen est avec Lance. Quel à propos. Les sports à Camelot. Jennifer. Oh, la tragédie de Camelot. Votre dissertation portera uniquement sur le triangle amoureux formé par le roi Arthur, sa femme Guenièvre et son meilleur ami Lancelot. Ça a fini par détruire Arthur et Camelot inexorablement. Plutôt déprimant. Miles, vous êtes avec Ali. Je préférerais être seul. Oui, et je préférerais manger des fruits sur une belle plage d'Hawaï. Mais ce n'est pas au programme pour l'instant. Bien, ça devrait aller. Waouh, merci. Allez-y. L'ordre des ours, c'est bien? J'ai jamais entendu parler de ça. C'est pas gagné pour la meilleure note. Vous demanderez à vos parents. Je suis sûr qu'ils pourront vous renseigner. Miles, ça va? Oui, ça va. Merci. Fais bien tes lacets. Ils sont bien faits. Les lacets de tes autres chaussures. Mais qu'est-ce que tu racontes? Lasse bien tes chaussures, ok? Je suis pas ta mère. On va courir le 400 mètres. Vous formez le troisième groupe. Allez, en piste. Ouais. Ouais, on verra ça. On se dépêche. Alors,
Alors, on ne sait pas faire ses lacets ? Par ici ! En route, en route ! Encore une fois ! Vous s'assurez de monter les bras ensemble ! Down ! 56 ! Assister à un 400 mètres aussi rapide depuis des lustres. Bienvenue dans l'équipe de première catégorie d'Avalon High. Oh, merci. Bon, on se retrouve ici demain après-midi, 16h. Oui. Andrea, toi et Jenny, vous aussi. Félicitations. Bravo. L'entraîneur a dit que j'avais presque battu le record des sélections du lycée. Ça alors, c'est merveilleux. On est très fiers de toi. Je suis fière de moi aussi. Cette ville a l'air de te plaire, on dirait. Oui, beaucoup. Comme si on était fait pour vivre ici. Et sinon, est-ce que tu t'es fait des nouveaux amis aujourd'hui ? On peut dire ça. C'est quoi ce sourire? Tu as vu ce sourire? Je l'ai vu. Eh, oh. Alors, est-ce que quelqu'un a piqué ton intérêt? Piqué mon intérêt? En quel siècle on est? Il veut dire quelqu'un t'a-t-il séduite? Séduite? Faites un petit effort et changez de vocabulaire. Je crois qu'elle est lue de la question. Absolument. Oh, je vais ouvrir. Qui ça peut bien être? Miles, qu'est-ce que tu fais ici? On a une disserte à rendre. Dans 3 semaines. Je déteste l'internet. Tu veux la faire, oui ou non? Bon, c'est d'accord. Ali, tu nous présentes ton ami? Oh, oh oui, voici Miles. On doit faire une disserte ensemble. Enchanté de vous rencontrer, jeune homme. Entrez. C'est ce jeune homme-là. Oh. Quoi? Pourquoi il fait cette tête? Il me semble très bien, ce garçon. Il me fait penser à moi. Miles, vous voulez un peu de dessert? Est-ce qu'on peut trouver le livre qu'on va utiliser et s'arrêter pour ce soir, Miles? On a tout le temps pour faire ce devoir. Je fais toujours mes devoirs dans la moitié du temps imparti. Pourquoi? Pour prouver que je suis meilleur que les autres. Et le plus modeste? Ça aussi. C'était du sarcasme. C'est pas du sarcasme si c'est vrai. Aucune importance. Il y a aucun de ces bouquins qui traite de l'ordre des ours. Pas un mot. On peut demander à tes parents. Tu veux rire? Si je leur dis que j'ai un devoir à faire sur le roi Arthur, ils me lâcheront plus une seconde. Non, 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 je dois me débrouiller toute seule. À ton avis, ils mangeaient quoi, Camelot? Oh, du mouton avec un peu de betterave. Et de l'eau de sauge, mais provenant du nord uniquement. Je savais même pas que je savais ça. Ces détails se sont nichés dans mon inconscient à force d'entendre mes parents raconter la vie du roi Arthur encore et encore. Miles? Est-ce que tu as des glaçons ou de la glace? Oui, oui, dans le congélateur. Je vais t'en chercher. Tiens, voilà, remets ton outre l'ail. Quoi? Comment t'as su que j'allais avoir besoin de glace? Une coïncidence. Non, t'as fait la même chose au cours de Monsieur Moore avec mes lacets de chaussures. Facile de deviner que t'es maladroite. Mais... Laisse tomber, tu veux bien? D'accord. Merci. Bon, maintenant, on peut questionner tes parents à propos de l'ordre des ours pour être plus rapide. D'accord. Ça vous dit quelque chose? L'ordre des ours? Vous avez entendu parler de ça? Des ours, c'est une ancienne confrérie qui croit dur comme fer qu'un jour le roi Arthur reviendra sur Terre en se réincarnant. Oh, je vois. Et quand c'est censé se passer? Arthur reviendra quand il jugera indispensable de sortir le monde de l'âge des ténèbres pour entrer dans une nouvelle ère d'illumination. Tu veux dire en faisant revivre Camelot? C'est une métaphore. Rien ne nous le prouve. J'en suis presque sûr. Il ne peut pas l'être. Mais, même si c'est une œuvre de fiction, elle ne manque pas d'intérêt. Voyons voir. Ah! En tant que gardien de la prophétie, il incombe aux membres de l'ordre de chercher des Arthurs potentiels dans chaque génération. Mais méfiez-vous des forces du mal, conduites par la réincarnation de Mordred, déterminées à trouver le futur Arthur et à le détruire bien avant qu'il puisse réaliser la prophétie. Alors vous voyez si ce que Arthur n'est pas vite retrouvé, Mordred et ses disciples nous renverront vers l'âge des ténèbres, de l'ignorance, de l'humiliation, de la souffrance. Ouais, l'école quoi. Il n'y a rien de drôle, Ali.
Beaucoup de gens prennent ça très au sérieux. Certains plus sérieusement que d'autres. Oh, j'ai rien dit. Certaines personnes sont des fanatiques, des cinglés. Pas toi. Non, pas nous. Tiens, lis si tu veux. Il y a plein de choses passionnantes pour te rafraîchir la mémoire. Ça y est, ma maman veut. Demain, nous parlerons du système d'évacuation utilisé à l'époque du roi Arthur. Alors, à votre place, au déjeuner, je mangerai léger. Ali ? Oui ? Vous avez réussi à obtenir des renseignements sur l'ordre auprès de vos parents ? Fidèles à eux-mêmes, ils avaient un vieux bouquin tout poussiéreux dessus. Fascinant. Vous avez lu la prophétie ? Qu'en pensez-vous ? Je ne sais pas. Cette histoire de réincarnation du roi Arthur me semble un peu farfelue. Vous ne trouvez pas ? Eh bien, ce serait farfelu si c'était faux. Quoi ? Non, ne me dites pas que vous y croyez, vous aussi. Oh, absolument. Et vous avez beaucoup de chance d'avoir pu lire la prophétie grâce à ce livre. Mais ça ne devrait pas poser de problème que je vous apporte le livre si vous voulez le voir. Oh non, 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 je n'oserais pas vous demander ça. Un ouvrage comme celui-ci doit être fragile. J'aurais trop peur de l'abîmer. Ah, oui, il est préférable de le laisser là où il est. Ce n'était qu'une suggestion. D'accord. Je peux savoir ce qu'il voulait. T'as des problèmes. Je ne veux pas être ami avec une perturbatrice. Miles, tu es enfin en train d'admettre que nous sommes amis. Je n'admets rien du tout. Il a reçu son relevé, quoi ? Dis-moi ce que voulait Moore. Il voulait juste me parler de l'ordre des ours. Waouh ! Une simple conversation entre lui et toi ? Belle façon de me remplacer comme élève préféré du professeur. Oh. Très bizarre ta conception de l'amitié. Au revoir, Miles. Où est-ce que tu vas ? À la cafétéria. Oh. Tu veux venir avec moi ? D'accord. Ça va aller. Don't try to explain your mind, I know what's happening. One minute it's love and suddenly it's like a battlefield. My world's out there when you're gone, I'm out here without a shield. Can't go back now, both hands are behind my back for nothing. Oh no, these times when we climb so fast to fall again. Why we gotta bother it now? I never meant to start a war. You know I never always feel like a battlefield. A battlefield, a battlefield. I guess you better go and get your own. Salut. Salut. C'est à toi ? Oui, il s'est envolé. Jusqu'à moi. Sûrement le destin. Merci. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici ? Je cours et je réfléchis. Courir et réfléchir. Et là, je réfléchis, même si ça ne se voit pas. J'avais deviné. Ok, je vais te laisser tranquille. Non, non, ça va. Reste. La plupart des gens contournent cette partie de la forêt. Alors que c'est magnifique. Écoute, t'entends le vent dans les arbres ? On dirait de la musique. Je pensais pas qu'un joueur de foot parlait comme ça. Tu te moques de moi ? Non, non, je me moque pas de toi. Ça arrive si souvent. La plupart du temps, les gens ne me parlent que de football. D'accord, quel sujet t'as envie qu'on aborde ? C'est ça le problème, je pense à rien d'autre. Je peux te confier un secret ? Le football représentait tout pour moi. J'adore y jouer. Maintenant, tout le monde compte sur moi pour gagner le championnat et obtenir une bourse. Oh, tu vas avoir une bourse sportive pour le foot, c'est fantastique. Je l'ai pas encore, mais j'en ai besoin. Ou pas d'université. On te met la pression.
été un athlète très doué. Et comme tout le monde le sait, tous les athlètes très doués sont tout le temps sous pression. Ça ne doit pas te faire peur. Au contraire, utilise-la comme un atout. Et pour ça, tu ne dois jamais oublier ce que tu ressens quand tu gagnes, ce que tu éprouves quand tu conduis ton équipe à la victoire. Et si tu gardes ça en toi et que tu le veux au plus profond de ton cœur, rien ne pourra t'en empêcher. Ça alors, c'était... Merci. Je sais pas ce qui a pu m'inspirer. Et si jamais je perdais? C'est peut-être parce que la finale ne devait pas se faire. C'est pas la réponse que j'espérais. Désolée, je suis très directe. Peut-être que rien ne se produit par hasard. Tu crois? Pas avant. Mais je commence à le croire. Un appel de Jen? Dis donc, vous sortez ensemble depuis un sacré bail? Oui, presque 3 ans. Tu veux pas savoir? Savoir quoi? Pourquoi j'ai pas répondu? Eh, on court encore un peu? Oui. Attends, j'ai oublié, mon père fait un barbecue pour dîner. Barbecue, hein? C'est super. Oui, j'adore ça. Oui, mon père fait très bien les barbecues, c'est vrai. Oh, attends, tu veux venir manger à la maison? T'inquiète pas, ce sera un barbecue en toute amitié. Oui, oui, ça me dit bien, un barbecue de l'amitié. Bon, elle est parfaite, la viande sera bientôt cuite. Donc, c'est bien. Oh, laissez, je m'en occupe. Merci, je vous en prie. Ça va. Oui. Will, revenez à la maison quand vous voulez, vous êtes merveilleux. Maman, s'il te plaît. Quoi? Il est délégué de classe, quarterback et roi du bal de fin d'année. C'est très impressionnant. Vous êtes très impressionnant. Un des professeurs m'a dit que c'est grâce à vous que l'équipe fonctionne. Sans parler de la fierté que vous avez su faire renaître. Oh, les rayons solaires sur son front, son cheval piétinait le sol. De par-dessous son casque, en flot ses cheveux bouclés, noirs, alors qu'il... Qu'il descendait vers Camelot. C'est un poème qui raconte comment Arthur est devenu le leader que l'Angleterre attendait. Apparemment, Will a fait la même chose à Avalon High. Je sais pas comment c'est chez toi, mais ici au dîner, si on ne récite pas un poème sur Arthur, c'est qu'il y a un problème. Excusez-moi. Je vous sers un peu de salade. Tout va bien. Prenez des pommes de terre en salade que maman a faites. Oui. Merci pour le dîner. Je t'en prie. Si une prochaine fois tu veux revenir après avoir couru, n'hésite pas. Je fais une fête chez moi vendredi après le match. Tu veux venir? Oui, avec plaisir. Oh, c'est Jen. Je ferais mieux d'y aller. Oui. Salut Jen, ça va? Alors, il t'a invité à sortir? Non, on est juste amis. C'était un barbecue de l'amitié. D'accord, bien sûr, oui, des amis. Oui, on a compris. Je suis sérieuse, je lui ai remonté le moral par rapport au foot, c'est tout. Si tu dis c'est tout, inutile d'insister. Bien. À toutes. Ce n'est pas tout. Non. Je vais à une fête où il n'y a que des andouilles d'athlètes. J'en suis aussi une, Miles. Ça fait de moi une andouille? Non, mais cette fête est la première étape. Viens, alors ne viens pas. Alors. Je peux peut-être faire une petite apparition. Quoi? Tu vois, les gens ne m'aiment pas. Miles, fais un effort pour sourire et être gentil pour une fois. Et vois ce qui se passe. Tu vois? Maintenant, on va lui parler. Parler à qui?
Miles, laisse tomber, je sais que cette fille te plaît. Elle est si pâle, c'est bizarre, et c'est probablement un vampire. Il y a de plus en plus de jeunes vampires à notre époque. Donc tu ne veux pas aller la voir? Non. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir peur d'être rejeté. Pourquoi je me soucierais d'être rejeté par un vampire? J'abandonne. Qu'est-ce qui se passe? Tes copains sont des mauviettes. Apparemment, on a un problème d'insectes nuisibles. Dans ce cas, il suffit de nous en débarrasser. T'es en train de gâcher la fête. T'as besoin de tes gardes du corps pour éviter de te faire piquer, hein? Non, j'ai besoin d'eux pour éviter de faire quelque chose que je regretterai. La seule chose que je regrette, c'est que ma mère ait épousé ton père. Allons-y, les gars. Cette fête est nulle. Même les super ringards sont invités. Oh oui, quand je serai à Yale et toi en tôle, j'oublierai pas à quel point t'étais cool. Salut, Ali. Désolé pour l'incident. Marco est compliqué à gérer. C'est quoi son problème, au juste? Il est très en colère que son père soit mort il y a 5 ans et que sa mère ait épousé mon père et que j'aime. Ah, je comprends qu'il soit un peu jaloux, c'est vrai. T'es du genre parfait. Je veux dire, cet après-midi, tu as été parfait. Eh, c'est grâce à ce que tu m'as dit que j'ai pu gagner. Merci. Je dois te laisser. Je dois aller voir Jen. Oh oui, oui, bien sûr. Miles! Est-ce que ça va, Miles? Oui, très bien, merci. Et pour toi aussi, tout ira bien. Merci. Je l'espère. À tout à l'heure, Ali. Oui, au revoir. Qu'est-ce qui t'a pris, Miles? T'es sûr que ça va? Oui, ça va très bien. C'est juste... tous ces gens, j'ai pas l'habitude. Bon, je te laisse, d'accord? Je dois absolument trouver les toilettes. Ne fais pas de malaise si quelqu'un te dit bonjour. Je me fais du souci pour toi. Oui. J'aime tellement tes yeux. Arrête de faire des compliments. T'adores ça. Et moi, j'aime t'en faire. Oh. Ali, attends! Il faut que je te parle! Ali, s'il te plaît! Ça ne me regarde pas, Jen. Ali, s'il te plaît! S'il te plaît, ne dis rien à Will. Ne pas dire à Will que les deux personnes qu'il aime le plus au monde l'ont trahi et lui mentent. C'est plus compliqué que ça. Oui, pour vous surtout. Ali, j'ai aimé Will, et je continuerai de l'aimer et Lance aussi. Tous les trois, on forme un trio depuis la maternelle. On ne veut pas le faire souffrir, c'est pour ça qu'on lui a encore rien dit. S'il l'apprend maintenant, ça pourrait le détruire complètement. Ce serait la même chose qu'à l'époque de Camelot. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu sais, l'histoire que Moore nous fait étudier quand le roi Arthur a découvert que Guenièvre et Lancelot étaient... Il n'a plus fait confiance à qui que ce soit et il n'a plus eu la force de continuer. En ce moment, Will joue son avenir entre le championnat et sa bourse sportive, alors le moment serait mal choisi pour qu'on lui dise. Qui ça on? Ce n'est pas moi qui ai embrassé Lens. Ali, écoute. On ne voulait pas que ça se passe comme ça. Je t'assure, c'est... Lens et moi, on est fait l'un pour l'autre. T'as jamais ressenti ça? Alors tu ne lui diras pas. Laisse-nous lui dire le moment venu, d'accord? J'ai besoin d'y réfléchir. Tu vas prévenir Will pour Lance et Jen, oui ou non? Comment tu sais? Oh, j'en sais rien. Comme ça. Peu importe. Oui, plus tard. D'accord. Will? Ça va? Et toi, tu t'éclates? Ouais. Salut, t'es parti super tôt de ma fête. Tu t'es pas amusé? J'avais mal au ventre. Ah. Et aujourd'hui, ça va?
ça va, ça vient. Excuse-moi, je dois aller en cours. Salut. Hé, garde-moi une place. J'ai apporté le livre. Oh non, Ali, c'est une folie de l'avoir apporté. Il a beaucoup trop de valeur pour le sortir de chez vous. Monsieur Moore, mes parents n'y voient pas d'inconvénient, si bien sûr je le rapporte ce soir. Bon, bah très bien, je vais le feuilleter et je vous le rendrai après le cours. Merci. Le vieux mordu d'Arthur que je suis est comblé. Merci, Ali. Bon, changement de programme, on regarde une vidéo aujourd'hui. Sous la tour, sur la terrasse supérieure du château, son fils Philippe, le futur jeune marié, s'entraîne dans le maniement de l'épée avec son écuyer. Un jour, il deviendra le seigneur du manoir. C'est à lui que les villageois rendront hommage, tandis qu'il honorera son protecteur. Celui qui l'accompagne dans la bataille est son vassal, comme le voulait la tradition à cette époque. Même après des années, il lui reste fidèle. Les pages sur le moment où la réincarnation aura lieu sont tout à fait instructives. Merci encore de l'avoir apporté. Aucun problème. Et si vous désirez parler d'Arthur, je suis sûre que mes parents sont ravis de vous retenir en otage. Je veux dire, de vous inviter à dîner. Oh. Oui, il se pourrait que j'accepte l'invitation. Très bien, tout le monde dehors. J'ignore comment ça se passait dans ton dernier lycée, mais ici, A est la meilleure note qu'on puisse obtenir, alors ne te donne pas autant de mal. Ça s'appelle être gentil, Miles. Tu devrais essayer au lieu de cacher ton insécurité derrière ton côté râleur. Salut, Ali. Salut. Je sais que tu sais. Je sais quoi? Que Lens et Jen trahissent mon imbécile de demi-frère. Si tu sais ce qui est bon pour toi, tu ne diras rien à Will. Je lui ai pas dit un mot et j'ai prévu de me taire. Mais sûrement pas à cause de tes menaces. Si je le fais, c'est parce que j'ai mes raisons. Je me moque bien de les connaître. Continue de la fermer, ok? Et te mets pas en travers de mon chemin. J'ai l'impression que tu m'évites depuis ma fête. J'ai fait quelque chose de mal? Non, tu n'y es pour rien du tout. J'ai pas mal de choses en tête en ce moment. Ouais. Bon, j'ai rien à voir là-dedans. Non, t'inquiète pas, c'est pas toi qui est en cause. Bien. Ça te dit de courir avec moi? Bien sûr. Quelle distance tu veux faire? 5 km? Je visais plutôt 8. Si t'arrives à tenir... Qu'est-ce que tu fonces? On devrait peut-être te recoter pour l'année prochaine. Ah, les protections que vous portez sont pas très à la mode. Rien à ajouter. Pourquoi tu me donnes cette fleur? Pour rien, c'est seulement une marguerite. Rien de plus. Ah, d'accord. Je te remercie. C'est bizarre. C'est si facile de parler avec toi. C'est comme si... Quoi? Comme si avant de se rencontrer, on était déjà amis. Ça a pas de sens, hein? C'est stupide. Oublie ce que je viens de dire. Non, c'est pas stupide, je pense la même chose. Mais en réalité, je sais pas grand-chose de toi. Qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? J'en sais trop rien, mais à mon avis, je ferai des études de droit. Je supporte pas l'injustice. Ça a le don de m'énerver de voir des gens agir en toute impunité, ça me révolte. Comment ça? Les gens qui te passent devant dans une file d'attente. Sérieusement, on ne devrait pas leur donner ce qu'ils veulent. Alors attends, si tu fais la queue pour un film et que j'ai ma place, et qu'en me dirigeant vers la fin de la file d'attente, je te vois, tu me laisseras pas passer? Bah non. Waouh, sacrément coriace. Coriace, mais juste. Quand je ferai de la politique, je vais être pareil. C'est ce qui te fait envie, faire de la politique? Pas n'importe quel politicien, le meilleur des politiciens. J'aimerais être le président des États-Unis. Ça alors? Oui, je sais, c'est fou, ne serait-ce que d'y penser. Non. Tu dois y croire. Thank you.
Le premier arrivé au lycée? Ça marche. Offrir un sujet de conversation pour leur retour dans le car. Griffin récup faux 26 sur 1. Prêt? Quoi? Il va être sonné. Prêt? Down! 15! 36! Un feu! En jeu! McLaren recule! Oh, quel plaquage! Interception sur la ligne des 40 mètres! Il est à 10! 5! Touchdown pour les Crusaders! C'est incroyable! Oui, mais ça va, qu'est-ce que t'as fait? C'est le bloqué. Je sais, d'accord, j'ai pas assuré. Et à quoi tu pensais? Je suis désolé. On dirait que quelque chose t'accapare plus que le match. T'as le droit de m'en vouloir. Ce serait normal. Je t'en veux pas, mais fais ce que t'as à faire. Ton rôle, c'est de les bloquer. Comme vous voudrez, votre Altesse. Qu'est-ce que... C'est quoi cette courbette à Will? J'en sais rien. Les Knights n'ont plus le droit à l'erreur. Ils doivent faire bloc en défense et essayer de marquer un touchdown en contre. En défense, à nous la victoire. Les Knights tous en défense. C'est pas gagné. Hé, les gars, faut tenir, baissez pas les bras. On peut y arriver si on bat Northgate. Ouais, tu parles. Une transformation serait la bienvenue. On serait pas de part des débutants vu notre façon de jouer. Qui aurait pu prédire que les Knights seraient mis en déroute par les Crusaders? Après cette défaite, Will Wagner et ses coéquipiers vont devoir battre l'équipe invaincue des Dragons s'ils veulent atteindre la finale. Will? Est-ce que ça va? Pas vraiment. Je pense que Lance a fait exprès de me laisser tacler. Il voulait me voir à terre. Mais pourquoi il ferait ça? Voilà, en fait. Ce que j'ai à te dire, c'est pas facile. Salut, la superstar! Alors, on tient plus sur ses jambes? Tu ferais un tabac chez les scouts? Laisse-nous, va-t'en! Non. Ton père a dit que tu me ramènerais. Je t'appelle tout à l'heure. Tu pourras finir ce que t'avais à me dire. C'est inutile, t'en fais pas. Je voulais m'assurer que t'avais rien. Ne t'en fais pas. Merci, Ali. Ça va. Miles, qu'est-ce que tu fais là? T'as besoin d'aide. Comment tu sais que j'ai besoin d'aide? Je le sais, ça te va comme explication? Non, justement, ça ne me va pas. Comment tu fais pour toujours être au courant de ce qui va se passer avant que ça arrive? Comme pour les lacets, la glace, ou les problèmes pendant le match de foot, ou le fait de débarquer ici ce soir. Je pense même que tu savais avant moi pour l'NC Gen. Mais qui es-tu, un télépathe ou un médium? Ne prononce pas ce mot, Ali. Ce n'est rien, Miles. Tu peux tout me dire. Non, au contraire. Je dois garder ça pour moi. T'as pas confiance en moi? Je suis ton amie. Si tu me confies quelque chose, peu importe ce que c'est, je ferai bloc avec toi. Les amis, c'est fait pour ça. Je sais, j'ai l'habitude d'être traité de ringard, mais je ne veux pas être perçu comme quelqu'un de différent. Quelquefois, les différences permettent de nous enrichir. D'accord. En gros, j'ai des visions, je vois des choses, des flashs sur l'avenir depuis que je suis tout petit. Sauf que maintenant, c'est douloureux. J'ai l'impression qu'on me frappe la tête avec une pierre. Et ce soir, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu débarques ici? Je me suis vu avec toi en train de lire un bouquin. Un bouquin? Quel bouquin? Le journal de l'Ordre des Ours. Il a une page secrète. Éloigne-toi. Ces pages des millions de fois. J'avais jamais vu ça. Merci, Miles. Le roi réapparaît le soir où sont réunies la lune fantôme et un million d'étoiles filantes. C'est quoi tout ce charabia? Attends, peut-être que la lune fantôme, c'est une éclipse. Oui. Et un million d'étoiles filantes... Une averse météorique. C'est ça, oui, une averse météorique. Oui, donc peut-être que le retour du roi Arthur aura lieu quand une éclipse et une averse météorique se produiront le même jour. Non, laisse tomber. Ce genre de phénomène ne se produit qu'une fois tous les 1000 ans. Attends. Éclipse.
éclipse totale, averse météorique. On dirait qu'une fois tous les 1000 ans, ça tombe vendredi. Quoi ? Tu veux dire pendant le match ? Non, c'est pas possible. Peut-être que j'ai mal lu. Fais-moi voir. Ils mettent que l'éclipse totale et l'averse météorique auront lieu le même jour. Arthur va revenir. Arthur est sur le point de revenir. Prenez garde à Mordred, le demi-frère d'Arthur, son ennemi juré, qui est chargé de détruire Arthur avant même qu'il n'apprenne qu'il va devenir roi. Détruire le roi Arthur ? Définitivement, tu veux dire ? Papa, une petite question sur le roi Arthur, c'est pour notre dissertation. Je l'écoute. D'accord, mettons que le roi Arthur revienne et que Mordred revienne aussi pour l'éliminer. Comment il s'y prendrait ? La légende dit que Mordred mettra tout en œuvre pour que le monde parfait d'Arthur s'effondre, en faisant en sorte qu'Arthur perde confiance en lui et en sa destinée, et en semant le trouble entre Arthur et ses chevaliers. Et de tout faire pour abattre Arthur psychologiquement, pour lui ôter toute envie de continuer. Un ange. Je ne sais pas comment Mordred s'y prendrait aujourd'hui, mais il y a 1500 ans, il a réussi en prévenant Arthur que sa femme Guenièvre était amoureuse de Lancelot. Arthur était si bouleversé d'avoir été trahi. Il perdit confiance en lui et l'envie de se battre, je sais. Qu'est-ce que tu as ? Ce que vous venez de dire, ça se produit. C'est Will. Will est la réincarnation du roi Arthur. Je te l'avais dit, Paul. C'est vraiment lui, je le savais. Je t'avais dit que c'était une bonne idée d'emménager ici. Bobo, attendez, on a emménagé ici à cause de la prophétie. Oui, un peu. Et vous saviez déjà que c'était Will ? C'était une intuition que tu viens de confirmer. Bien sûr, il faut encore attendre qu'il brandisse Excalibur. Et Will est censé se procurer ça ? Ici, ils mettent que n'importe quelle épée brandie par lui devient Excalibur. Pardon ? N'importe quelle épée qu'il brandit devient Excalibur. Je sais. Mais c'est plutôt cool. Oui, très cool. Maintenant, il faut mettre la main sur ce Mordred. Oh, ça suffit, c'est ridicule. Même si tout ça est vrai, ce qui ne l'est pas, si Mordred existe, ça va être très dur de le repérer. Sauf si, bien sûr, Will a un horrible demi-frère. Je plaisantais. Will a un horrible demi-frère ? Horrible, le mot est faible pour décrire Marco. Je vais approfondir mes recherches. Alors c'est pour ça que Marco... Je veux dire, Mordred insiste tant pour que je ne dise rien à propos de Jen Ellens à Will. Il veut être celui qui gâchera sa vie. Joanne, j'ai besoin de toi. Il me faut le livre sur la chose. Il ne faut pas t'inquiéter, ma chérie. On va approfondir nos recherches et faire notre possible pour aider Will à rester fort. Je ne perds pas de temps. Regardons les choses en face. On n'a pas le temps d'approfondir nos recherches. Il faut prévenir Will pour qu'il soit capable de se défendre. Ah oui, très bonne idée. Et Will, tu es la réincarnation du roi Arthur, ton demi-frère est Mordred, et il va essayer et réussir à te détruire. Et sinon, ça va chez toi ? Oui, il risque de trouver ça bizarre. Oui, il va surtout penser qu'on est deux grands malades. On ferait peut-être mieux d'attendre un peu pour éviter de le traumatiser. Je suis d'accord. Oui, mais si jamais Marco lui dit tout à propos de Jen Ellens avant nous. Comme ta mère te l'a dit, c'est la meilleure arme dont il dispose. Il ne l'utilisera que s'il est sûr de lui faire du mal. Oh, j'espère que oui. Bien sûr. Miles, réveille-toi. Dis quelque chose. Tu pourrais sucer une pastille à la menthe. Tu as eu une autre vision? Ouais, je crois avoir vu Excalibur, mais... Où elle était? De quoi elle avait l'air? Si j'ai bien vu ce que je crois avoir vu, c'était vraiment incroyable. Tu sais, si Will et Arthur, si Marco et Mordred... Peut-être que tu es Merlin l'Enchanteur. Lui aussi, c'était un visionnaire. Je crois pas. Merlin avait une longue barbe blanche. Moi, je compte mes poils. Il te plaît? Tu es jaloux. C'est plus fort que toi. Ça dure depuis des siècles. Allez, allez, dépêchez-vous, c'est votre dernier examen concernant le roi Arthur. Ah, ah quand même. Si, merci, et vous avez exactement 45 minutes, top départ. C'est quoi ça, sous la semelle de votre chaussure? Faites voir. On dirait une antisèche. C'est pas à moi. Quoi? Vous voulez nous faire croire que cette antisèche est arrivée toute seule sous votre semelle? Non. Arrêtez de mentir, monsieur Wagner. Comment osez-vous? Je m'attendais à mieux de votre part. Si tu te fais prendre en train de tricher, tu joueras pas vendredi. Monsieur Moore, croyez-moi, c'est pas à moi. Je suis pas un tricheur. Parce que votre parcours a été exemplaire jusque-là et pour les services rendus au lycée, je vais vous laisser le bénéfice du doute. Cette fois. Merci. Asseyez-vous. Traitement de faveur. Silence. Finissez votre contrôle.
que c'est toi qui l'as piégé avec l'antisèche, Marco. Tu ne sais rien du tout. J'en sais plus que tu ne le crois. Wagner, je veux une course de débordement par deux. Oui, coach. Donne-moi. C'est bon? Vous savez ce que vous avez à faire? Si on a des doutes, on a des antisèches. Très drôle. C'est bien. Prêt? Prêt. Prêt. Les jambes. Course de débordement par deux. Allez. Prêt? Prêt. Un, deux. En jeu. Down. 20. 45. En jeu. Arrêtez! Arrêtez! En jeu! Ça suffit! Hé, hé, hé! Je veux savoir ce que tu fais! Je m'entraîne sur une cible! C'est bon, excuse-toi! Pourquoi? Il n'a rien! Ça n'a aucune importance, j'en peux plus que vous vous comportiez comme si vous étiez seul au monde! Ça va, Will, laisse-moi! Non! C'est moi le capitaine et j'admets pas cette attitude! On peut peut-être choisir un nouveau capitaine! Ouais. Il aura le sens de l'humour, lui! Ouais. Et un qui ne trichera pas aux examens! Ouais, bien dit! On n'a pas de leçon à recevoir de toi! Tu l'as bien mouché! Ça va? Merci pour ce que t'as fait tout à l'heure. Il était temps qu'on lui apprenne les bonnes manières. Eh ben, ça fait du bien d'être encouragé au moins une fois dans la journée. Tu t'es très bien défendu en cours. Tu nous as tous très bien défendus sur le terrain. Il faut beaucoup de courage pour faire ce que t'as fait, et tu agis comme ça tout le temps. Peut-être que je devrais agir comme une ordure. Comme ça, personne ne ferait appel à moi. C'est ta nature d'agir ainsi. Tu es incapable d'être une ordure. Tu sais qu'il y avait la même bravoure que toi? Qui défendait les opprimés? Le roi... Désolé. Ouais. Excuse-moi, j'ai un truc à faire. Mais on reparle de ça tout à l'heure, d'accord? D'accord. Alors, à tout à l'heure. Oui. Ça va? Oui. T'es clair? Oui, oui. Sûr. Oui, allez. Merci. Oh. Attention. Désolée, pardon, monsieur Moore. Oh, j'étais complètement perdue dans mes pensées. Will Wagner fait cet effet-là sur les jeunes filles. Comment vous savez que j'étais en train de penser à Will? C'est pas lui que je pensais. Ça va? Oh, c'était à lui. Ah, je comprends. C'est un jeune homme spécial. C'est rien de le dire. Oh, j'aimerais... Oui? Monsieur Moore, si je vous confie quelque chose, vous jurez de rien répéter, d'accord? Faites-moi confiance. Tout ce que vous me direz restera entre nous. Ali, qu'est-ce qui ne va pas? C'est à propos du livre, L'Ordre des Ours. Oh non, je n'ai pas laissé une trace de café dessus, j'espère. Non, non, c'est pas ça. Voilà, en fait... On a trouvé à l'intérieur une page secrète qui dit... Vous n'allez probablement pas me croire, mais ça dit que le retour du roi Arthur va avoir lieu maintenant. Et je crois que c'est... Vous croyez que c'est Will? Mais comment vous l'avez deviné? Je le soupçonnais de l'être. Si quelqu'un dans ce lycée peut être la réincarnation du roi Arthur, c'est Will Wagner. Incroyable, non? Le roi Arthur qui arpente les couloirs d'Avalon High. Ça signifie que vous m'aiderez à protéger Will de Mordred? Bien sûr. Et je suppose que vous savez qui se cache derrière lui. Ce n'est pas trop difficile à deviner. En effet, oui. N'ayez crainte, Ali. Quand le jour viendra où le roi Arthur se réveillera, Marco ne se mettra pas en travers de sa route. Aujourd'hui, nous allons voir si nous pouvons créer une petite réaction chimique. Bien sûr, sans vous mettre en danger. Alors suivez bien les instructions écrites sur le tableau. Allumez vos brûleurs. Arrête de le fixer. Très bien. À présent, ajoutez l'hydroxyde de sodium que nous avons là. Ah! Attendez! Cette éprouvette a été manipulée. Miles, j'ai préparé toutes les solutions moi-même et tout va bien. Regardez. Mais alors, une fête, c'était. Vous n'avez rien? Ali,
Miles, vous n'êtes pas blessé? Arrêtez ce que vous étiez en train de faire. Tous les deux, vous allez à l'infirmerie. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce phénomène n'est vraiment pas normal. Rien de cassé? Tu devrais être plus prudente. Ce n'est pas bon de vouloir jouer avec le feu. Ça peut brûler. Ça commence à devenir angoissant, tout ça. Je n'ai pas peur de ce qui se passe, ça me met hors de moi. Je vais aller trouver Will après les cours et je vais tout lui avouer. Il va te prendre pour une grande malade. Aucune importance, il a le droit de savoir avant l'éclipse de ce soir. Par hasard, tu n'as pas eu des visions sur ce qui va se passer? Tu m'as vu me pencher en avant, la tête entre les mains? Non. Alors t'as ta réponse. Oh. Qu'est-ce qu'il a? Il est très remonté. Il nous a surpris, Jen et moi. Wagner est là? Pas encore, coach. Bon, on est tué. C'est motivant, merci. Hé, pas un mot, tu entends, Benwick? Pas un mot. Dis-moi que t'as rien. Hey. T'as rien de cassé? T'as pas mal quelque part? Non, ça va, merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'es tombé? Quelqu'un m'a poussé. Quoi? Mais qui t'a poussé? Mordred. Celui de la légende du roi Arthur? Oui. Allonge-toi, ta tête a dû heurter quelque chose. Non, Will, j'ai une chose importante à te dire et tu vas sûrement pas me croire, mais c'est vrai. Je suis déjà au courant. Tu es sûr? Oui, je sais, pour Lance et Jane, je les ai vus. Non, c'est autre chose. Enfin, ça fait partie de l'histoire, mais c'est pas le plus important. Les détails n'ont aucune importance. Je t'assure, je m'en moque. Allez, viens. Non, Will, écoute-moi, il ne s'agit pas seulement de Lance et Jane. C'est à propos de l'avenir. C'est à propos de ton destin. Tu n'es pas juste Will Wagner. Tu es le roi Arthur. Et c'est aujourd'hui que tu te dresses contre tous les mensonges, toutes les bassesses et les traîtrises sans plus douter de toi. Et tu reviens parmi nous pour changer le monde. Tu es celui que tout le monde attendait et espérait. Ali! T'as raison. Aujourd'hui, je suis comme le roi Arthur. Je dois redevenir le chef que j'étais, lutter contre l'adversité et triompher. Quoi? Oui, c'est une métaphore, je sais. Je suis le capitaine de l'équipe et je ne peux pas abandonner mes joueurs. Hé, hey, Miles, tu peux raccompagner Ali? Ouais, bien sûr. Quoi? C'est grâce à toi si l'équipe va être à nouveau unie. On se voit après le match. Je dois y aller. Will, non! J'ai pas dit que t'étais comme le roi Arthur. J'ai dit que tu étais le roi Arthur et je dois te mettre en garde contre Marco. Marco et Mordred. On fait quoi? Nous devons aller voir ce match et ne pas le perdre de vue. D'être venu, Wagner. Je devrais t'interdire de jouer ce match. Je suis désolé, coach. Allez, fais-moi une langue passe, hein. Les gars, je suis désolé. Mais je suis là et je vous laisserai pas tomber, c'est promis. Allez, c'est reparti, tous sur le terrain. Allez, les gars. Allons-y. 5, 6, 7 et 8. Allez, en piste. On va leur pousser ce pas, tous ensemble.
finalement, on s'est trompé. Peut-être que c'est pas ce soir. Ouais. Allez, on se concentre. Le match est interrompu pour assister au spectacle comme prévu. On y est. Une éclipse totale et une averse météorique en même temps. C'est fou, j'avais jamais vu ça. Allez, on se concentre. On doit essayer de marquer avant la mi-temps. Long passe à droite. Allez, c'est parti. Ouais, allez, les gars, wouhou ! On est les numéros 1, allez ! Prêt ? 1, 2, en jeu ! Oh oh ! Badger s'est fait plaquer. Il semblerait qu'un de ses coéquipiers n'ait pas fait le blocage exprès. Ça, c'est pour être arrivé en retard. Oh, c'était un combat ! Et maintenant, nos chevaliers, les Knights, se battent entre eux. Cette fan d'Avalon High doit être dure. C'est Mordred qui les pousse à se battre entre eux. Non, ça m'étonnerait. Ils en veulent à Will. Les Knights vont devoir se reprendre pendant la mi-temps ou leur saison est terminée. Non, pas maintenant. Will. Allez, les gars, c'est le dernier match. Je suis désolé. Tout est ma faute. J'aurais dû te le dire. Tu m'as humilié devant tout le monde. Je sais. C'est pas ce que je voulais. Je ne veux pas perdre mon meilleur ami. On est comme les chevaliers de la table ronde. Comme des frères. Je vais rompre avec elle. Non. Tu ne le penses pas. La vérité, c'est que entre Jen et moi, c'est fini depuis longtemps. Et si vous vous aimez, je peux rien y faire. Alors ça roule ? Ça roule. Hey, coach ! Oui ? Je peux leur parler ? Oui, vas-y. Mettez-vous en cercle, les gars ! Les gars, ces derniers temps, on a perdu notre esprit d'équipe. Mais ça, c'est du passé. Tous autant qu'on est, on sait ce que représente la victoire. N'oubliez pas ce que le triomphe signifie. N'oubliez pas qui nous étions. Parce qu'on forme la même équipe qu'avant. Et si vous y croyez comme moi, rien ne pourra nous empêcher d'avoir notre heure de gloire. Alors, on est qui ? Knights, tous unis, jamais plus divisés ! Knights ! C'est bien, allons leur montrer. Will, s'il te plaît. Tout va bien, Jen. Les dragons mènent 27 à rien, mais voilà les Knights qui entrent sur le terrain avec peut-être l'espoir de revenir au score. Hé, hey, Ali. Au fait, merci encore pour ce que tu m'as dit. Ça m'a aidé à rebooster. D'accord, écoute. Oh mince, j'ai oublié mon casque. Oh, mais on se voit après le match. C'est promis. J'en ai pas fini avec toi. Mais non, c'est maintenant qu'il faut que je te parle. Les dragons n'ont jamais perdu cette saison. Et actuellement, ils mènent à la mi-temps. Allez, super. Allez, 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 allez. Ali, où est Will ? Il a oublié son casque au vestiaire. Le public se demande où il est et les joueurs aussi. Il a perdu la tête ou quoi ? Tout est ma faute. On peut le dire, oui. D'accord, on va le chercher, on revient. Oui, et pendant ce temps, essayez de revenir au score. Pas de trace de Will ici. Il faut que tu te concentres pour me dire où il se trouve. Je te l'ai dit, je ne peux pas le faire sur commande. Si tu peux, Miles, je sais que tu peux le faire. Mais c'est douloureux. Je sais. Il est dans le théâtre du lycée. Avec Marco. Marco, où est Will ? Will ! Ali ! C'est Marco qui t'a fait ça ? Marco ? Il a essayé de me protéger. Non, Marco et Mordred, ils cherchent à te détruire avant que tu comprennes qui tu es en réalité. Quoi ? Ce que je t'ai dit ce soir, ce n'est pas une métaphore. Ton destin est de changer le monde. Tu es le roi Arthur. Vous devriez écouter Ali, monsieur Wagner. Monsieur Moore ? Elle a raison sur toute la ligne. Rien ne lui a échappé. À l'exception d'un petit détail. Marco. Marco n'est pas Mordred. Oh non, 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 non. C'est moi. Oh, non, non, c'est pas possible. Vous nous faites marcher. Tada ! Surprenant, hein ? Merci, c'était vraiment cool. Ça va, Will ? Oui. Je crois que oui. Mais pas
si vite, ça n'a pas de sens. Tu as essayé de détruire Will. Non, au contraire, je le protégeais. Regardez, mon père faisait partie de l'Ordre des Ours. Et quand il est mort, j'ai juré de continuer. Et toutes les choses horribles que tu as faites? Je devais gagner la confiance de Monsieur Moore. Enfin, Mordred. Ali, tu avais raison. Will est Arthur et Miles est Merlin. Merlin? Ah oui? Cool. Ça a été un véritable supplice de vous traiter comme je l'ai fait. Mais j'ai agi comme ça pour vous éloigner de Will et du danger. Désolé pour tout ce que j'ai fait. Mais de quoi tu parles? Allons-nous-en d'ici. On sera mieux dehors. Avant, j'avais l'intention de te détruire, Arthur. Uniquement en écrasant ton esprit. Mais vu les circonstances, je vais devoir me débarrasser de vous tous. Tout le groupe. Comme autrefois. En commençant par la petite peste. Non, ne la touchez pas! Ali! Je crois que je n'obtiendrai pas de A. Vous croyez vraiment que ce jouet ridicule peut quelque chose contre moi? Mais qu'est-ce qui se passe? N'importe quelle épée dans les mains d'Arthur devient Excalibur. Non. Non, c'est pas possible. Depuis le début, c'était toi, Ali. Tu es le roi Arthur. Ah oui? C'est moi? C'est moi. Je suis le roi Arthur. Ali, derrière toi. Je me suis dit au début que vous étiez peut-être la Dame du Lac. Ça, c'était plausible. Mais le roi Arthur... Le roi Arthur ne peut pas être une fille. C'est dur d'avoir tort. Le bâton revient que brûle la main malfaisante qui le tient. Attrape-le! Waouh! Être Merlin, c'est la classe! Non.
n'y pensez même pas, Mordred. Hé, hey, le théâtre est fermé, personne n'a le droit d'être là. Monsieur l'agent, arrêtez cette fille. Elle a apporté une arme à l'école, elle a même menacé un professeur. Bonne chance pour sauver le monde d'une maison de redressement, Votre Altesse. Désolé, vous dites que cette jeune fille vous a menacé avec une épée en plastique. Non, non, imbécile, avec une vraie épée, ça c'est... Bon d'accord, c'est une épée en plastique, seulement l'autre était vraie. La telle est devenue, bah, Excalibur, parce qu'elle est le roi Arthur. Et... C'est qui le professeur ici? On est venu chercher une fausse armure pour la mascotte du lycée, monsieur l'agent. Oui, je ne vois pas du tout de quoi monsieur Moore veut parler. Et j'ai une bourse d'excellence, je ne kidnappe pas les professeurs, je suis plutôt du genre Fayot. Wagner, vous ne devriez pas être sur le terrain. Oui, tout à fait. Oh, et qu'est-ce que vous attendez? Allez, en finale! Il faut vraiment qu'on se parle. Oui, tout à l'heure, maintenant, t'as un match à gagner. Allez! Non, 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 du calme, du calme! Doucement, monsieur! Non. Oh, le capitaine va adorer ce fou furieux! Non, non, le roi Arthur n'a pas le droit de vivre! Je dois le détruire! C'est mon destin! C'est mon destin! On a réussi. On a eu Mordred. Oh non, je viens de penser à quelque chose. À quoi? Et si c'était encore un de mes rêves sur le roi Arthur, et que dans moins de 2 minutes, je me réveille dans mon lit? Ce n'est pas un rêve, Ali. Tu es le roi Arthur. Et je suis Merlin. Je vais te montrer. Cool, non? Allons-nous-en d'ici. Attendez. Merci, Votre Altesse. Oh, wow, c'est... Je vais avoir du mal à m'habituer à la révérence. Un nouveau temps mort est accordé aux Knights alors que Will Wagner, leur quadermac, revient et qu'il ne reste que 12 secondes de jeu. Prêt? Explosion, 26 sur 1! Allez, ensemble, on gagnera! Hey, salut! Salut! Super stylo. Merci. Et tes cheveux aussi. Oh, merci. Au revoir. Wouh! Vas-y, Will! Je n'y comprends rien. L'éclipse s'est bien produite et pas d'Arthur, pas de Mordred, pas de grande bataille. Je t'avais dit de ne pas trop espérer. Mais j'étais si sûre que c'était Will. Je sais, tu as même réussi à me convaincre pendant une seconde. Je crois qu'on ne trouvera jamais Arthur. C'était la réincarnation du roi Arthur. Qu'est-ce que ça fait de moi? Mon beau chevalier en armure. Hé, hey Margot, tu manges avec nous?